to what? Podcast number 4, I believe. Podcast number 4. Yes. Aujourd'hui, on parle de quoi? Bon, il y a le sujet ultra présent. Corona. Corona is always in the building. Coronavirus. Y a quoi de nouveau par rapport à ça? Genre, ben, oh yeah, t'as suivi la vidéo, j'ai vu une vidéo là d'une nurse. Elle dit elle a deux enfants en casa et les enfants n'ont personne à part elle pour s'occuper de ses enfants, tu vois. Et ça manager lui disait d'aller au floor du corona pour aller aider là-bas. Floor du corona. Parce que je crois dans l'hôpital, ils ont plusieurs floors. Il y a un floor ou plusieurs floors qui ont été dédiés genre, à traiter les gens qui avaient le corona, tu vois. Mm. Donc sa patronne lui dit non, c'est une nurse, monte à l'étage là pour aller s'occuper, pour aller aider. Elle dit calme dans la gueule, non. Je veux que mes enfants casent, hein, mes enfants n'ont que moi. Si je ne suis pas là, ils n'ont personne. Je ne peux pas aller là-bas. C'est la bonne carbone, nanana. Vas-y, elle dit non. Elle quitte le job, man. Elle fait une vidéo, elle met la vidéo, je crois, sur Instagram. Et je pense que j'ai vu ça. Je pense que j'ai vu ça aussi. Comment? Et Amine? Et c'est quel nerf? C'est fort, man. C'est fort. C'est genre. Même si tu vois le problème éthique, genre, c'est toujours. C'est les pires de l'argent aussi qu'on va en voir aussi là-bas. On mange un chanzo. Ça ira. c'est bizarre. Et on te dit que les gens qui sont le plus exposés à ça, qui sont exposés à ça, genre, le plus longtemps, à ce qu'il paraît, selon les news que j'ai eues, genre, développent des versions plus chroniques de ça. Donc les médecins qui sont en train de traiter les gens, ceux qui end up infected, là, on dirait que leur version est légèrement plus arrivée. Mais bon. J'étais en train d'y penser la dernière fois, j'ai dit, ah, quand il y a les guerres, les soldats vont à la guerre. Quand il y a les épidémies, les docteurs vont à la guerre. Mais... C'est bizarre, mais... C'est là que ton sacrifice est appelé à l'ordre. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Ah ouais. C'est à quel moment que les politiciens vont à la guerre? Les gars, ce sont des opportunistes. Ils ont trouvé le moyen d'avoir le meilleur job. Les opportunistes. Toi, tu ne veux pas dealer à répondre aux questions des gens toute la journée, mais ils ont compris que c'est le meilleur job. On est créé de l'argent. Il faut quelqu'un qui doit manager bien. Allez, si ça ne va pas, genre, ils vont s'en sortir. Mais ils s'en sortent toujours. Mais... J'avais dit que je n'allais pas faire la publicité au gars la dernière fois. Je suis un peu de leur faire la publicité. Qui ça? Qui? Moi, déjà. Les gens n'ont gagné ce problème, c'est lui for free. C'est toi. Oh, mais je peux aider ta vidéo. Blurred! Mais laisse, allez, laissez ça. No, me not care. Ah, il y a joué avec ça. Yeah. Mais c'est bizarre. Le truc de la ça quand même. Je l'ai compris. Je l'ai compris, mais en même temps, genre. Non. Faut pas rentrer dans les cycles, c'est ça. Quand vous rentrez dans les boulots pour le gain, hein? On vous demande, genre, what reliability, that stuff becomes questionable. Si vous avez signé un contrat et que tu dois le faire, man. Oh, man. Tu le fais. I mean, parce que, genre, si la vie continue, tu vas passer ton temps à demander le pardon aux gens, à devoir chercher à commencer à zéro dans une autre industrie. I mean, life is a choice. She made a choice for her kids. I can understand that. But at the same time, bon, je ne connais pas tout le contexte, mais c'est le corona. Tout le monde réagit à ça différemment. Il y a différents niveaux de peur.
Elle a le droit de... Euphia. Elle a le droit de vouloir sortir de la zone. Je ne mourrai pas. C'est dingue. Oh man, c'est dingue. C'est dingue. Oh. Je le voulais. C'est pour ça que parfois, genre, ça me fait bizarre d'avoir raison, tu vois. Que... Quoi? Je ne voulais pas avoir nécessairement raison par rapport au truc des prisonniers là. Mais... Les prisonniers qui se sont fait infecter du coronavirus. Là. Forcément, c'était quelqu'un de l'extérieur. Oh man! Oh man! That is some ridiculous stuff. What have you done to my people? Maintenant, c'est quoi les solutions qu'ils ont, les gens? Ah, mais je ne sais pas. C'est vrai que c'est ça, c'est un problème. Bah, tout le monde. Est-ce qu'il faut les libérer? Non. Oh, comment ça, non? C'est... Bah, avant qu'on te les libère, carrément, genre, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Parce que les gars qui t'ont mis là-bas, genre, ils ont une certaine mentalité, quoi. Donc tu dois les confiner, ils vont tous genre... Ils vont essayer d'isoler ceux qui sont... qu'ils savent qu'ils sont déjà malades. On ne sait pas dans une prison, on ne peut pas isoler les gens. Ceux qui sont malades et comment on appelle, et leur cellmate, ils vont genre les mettre à part. Tu vois, c'est, du moins c'est ce que moi je recommanderais. Non, il y a les nursing rooms. Bon, c'est ça aussi. Et puis, genre, bon, il y a plus de détails du scénario que nécessairement je n'ai pas pris le temps de lire après. Parce que dès que j'ai lu ça, ça m'a fait pitié, ça m'a fait rire en même temps. Quoi. Parce que c'est genre, c'est une connerie en fait. C'est une connerie. En fait, ça te fait comprendre à quel point tu dis que tu es en train de punir quelqu'un ou bien de réformer la personne, tu vois un peu, non? Mais toi-même, tu te mets une charge sur le dos en devant faire ça. Parce que tu es aussi en charge de sa sécurité pendant tout le temps où genre, tu es en train de lui faire ça. Sa sécurité et son health. Tu es en charge de ça. Déjà qu'il y a tous les gangs et les meurtres dans les prisons et tout ça. Mais bon, quand tu ajoutes aussi le fait que au Calminendo, genre, vous avez une épidémie, quoi. That stuff is different. Vous n'êtes pas équipé pour ça. Vous n'êtes même pas équipé pour ça carrément. Moi, directement, je mets la prison en quarantaine. Tu dois mettre les gardes aussi en quarantaine. Tu dois mettre les familles des gardes en quarantaine. Il y a un truc en ce moment. Les gens du church qui sont en train de partir, genre, church partout à travers le monde, genre. Pendant le corona, il y a un pasteur genre anglaisien qu'on a filmé, il dit non, lui il t'impose les mains, le corona. Tu vois un peu là. En tout cas, genre, je ne sais pas quoi. Donc, on te dit ma fonction de l'équipement. On a toujours un qui nous sauve. Ouais, c'est la beauté genre, d'une multitude. However, these problems must be solved. Avec le temps. Au moins, on te dit que. Bizarrement, tu vois, c'est la beauté de la nature en fait. Je suis en train d'observer le côté positif et le côté négatif de ce qui se passe. À quelque chose, malheur est bon. Il y a des gens qui sont en train de prendre avantage de ce qui se passe en ce moment. Ah mais non, on le sait déjà. Bien sûr. On le sait déjà, tu vois. Là, les compagnies pour lesquelles on travaille là. Ouais. Oh. Je veux pas laisser les employés. Vous n'irez nulle part. Ah, il faut que bien se fasse. Bien sûr. Quelqu'un doit continuer à faire son argent. Somebody has to keep making this money. C'est une valeur sine qua non. Voilà. Ok. Je lis ça là, on juste que 5 minutes. Parce que c'est pas rigolo tout ça. Shout out to you for being the realest this far. Yep.
Non, c'est remarquable, mais moi aussi qui ai peiné, il aurait vraiment fou alors. J'ai clairement sommeil en titan, je crois au top, c'est dingue. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu as déjà signé le contrat. Tu vas aller au taf. Si tu n'as rien à prendre pour rester éveillé, tu vas devoir genre. Rough that stuff out. Tu vas carrément sentir chaque seconde de la montre là passer carrément. Tu vas sentir ça dans ton dos, man, le bas du dos là. Ça va tirer genre tes nerfs du cou, genre yes! Can you feel the pain? C'est la nature des choses, man. Oh, bro. Go make that paper. Boubou. As they say. Streaming. Oh, streaming. En ce moment, tu veux avoir une compagnie de streaming. Oh, by the way, j'ai fait une vidéo. Ma mère a eu 60 ans. Il y a deux jours. Tu fais une vidéo? Yeah. La quarantaine, la quarantine, tu ne peux rien envoyer à personne, personne ne sort, tu ne peux rien deliver, tu vois. Quand, et généralement, quand genre, quelqu'un me dit de venir faire les vidéos de trucs d'anniversaire et tout ça, man. I see that as one of the goofiest things. You can ask me out here. Please, do not invite me to that disorder. Oh, tiens, on fait un truc qui est censé, ça. Money, you need to bleep this out of this conversation. Okay. I do not speak on such subjects. This is at the current moment I shall send my paper back in a few years, maybe. You can understand. Te menacer que genre tu dois filer là. Yeah. Non mais t'as filé là, c'est bon. Non, c'est, tu es en position de faire là. Moi, je suis en train de jouer à un autre film. Oui, c'est comme moi sur les toits. Tu vois, genre, quand on vient te chercher, c'est qu'on a fermé toutes les entrées, man. Il n'y a aucune issue pour toi, man. Mais le film, on ne te trouve pas, man. Tu vois, non. Kofi est peut-être caché. Au top d'un cocotier, allez. Il ne bouge pas. Il est tombé avec les broches toute la journée, man. Il ne veut pas. Oh, man. Vas-y, fais-le. Ça, c'est pas que tu ne veux pas retourner au Togo. Non, c'est pas que je ne veux pas retourner, man. Ça n'a rien à voir avec ça. On ne va pas me. On va être un kilomètre, on va être quelque part. Mais c'est ça, on va être attaché à ce point-là, ici, ici, en fait. Attaché à rester ici. Yeah, si on t'attrape, non, je ne suis pas attaché. Je ne suis pas attaché à rester ici. Tu ne pas genre te cacher, genre. Me cacher? Non, c'est pas ça, non. Là, c'est une tangente, man. Je te parle d'un cocotier. Là, c'est une longue tangente, man. Non. Si tu ne veux pas être ici, si on doit aborder le sujet d'être ici, par rapport à être au bled, c'est carrément un autre film, man. Are you ready for that conversation today? Are you ready? Let me know. I shall take you into the waters. Oh, no. Man. Like, j'étais juste... C'était quand? Avant-hier, que j'étais sur mon téléphone, genre... J'étais en train de penser à... Oh, merde, ça fait 3 heures que je suis sur YouTube en train de regarder des vidéos, man. Tu vois un peu? Quand je regarde le time que je passe sur YouTube par journée, genre... It's disrespectful to myself. Okay. I have to admit that sin right now. Mais c'est genre, je me suis rendu compte que, ok, il faut que, par exemple, le piment sur lequel je suis en train de bosser, là, il faut que genre, je sorte le label rapidement. Patati patata. On est à quel niveau de ça? Oh man, je suis au 5e mois. Is it a top priority or not? It is a top priority. What is you talking to me about? Moi je savais pas que tu allais bosser aujourd'hui. Oh.
Moi, genre, j'avais dit. Genre... que tu aurais pété mon schedule. Non, tu m'as dit samedi que tu allais faire le overtime. Ah, je ne savais pas que tu allais faire le overtime dimanche. Comment ça, overtime dimanche? Dimanche, c'est mon schedule normal. Ah bon? Yeah. Oh, yeah. My bad, I'm lying. You did say that Sunday, you have to work. Meeting the CGH was in a hideout. Yes, I remember you did say that. Non, mais Amine, c'est moi alors qui n'ai pas pensé aux choses. C'est pas moi alors, c'est moi exactement qui n'ai pas pensé aux choses. Anyways, there's always next Sunday. Ah, on apprend du passé. Ah, Shibas. Anyway, what was I blabbing about a second ago? Farming? Yeah. Farming? Oh, farming. Oh. C'est quand même un beau moment d'être un farmer. Tu es un farmer en ce moment-ci. En fait, anyways, je vais me mettre en courage en 2-3 secondes. Tu as pas quoi dessus? Non, c'est en ce moment, si tu es un farmer, tout le monde est en case, n'est-ce pas? Il y a le summer qui est en train d'arriver. On ne sait pas combien de temps le corona va durer. Mais je te garantis qu'il y a des gens, quelle que soit la violence du corona, les gens de la Poste, par exemple, d'Amazon, FedEx, on va les forcer à travailler, tu vois, un peu, non? On va les manier. Même si vous tombez malade, on ne va pas vous bailler tout le gain un jour, tu vois, un peu. See, that's just the nature of the game. However, ça veut dire que les gens qui ont les business genre où ils peuvent livrer leurs produits à distance aux customers. Par exemple, le e-commerce normalement va boom. Les chiffres qui vont revenir pour le upcoming quarter du e-commerce là, tu n'as encore rien vu tel quel. Je promets genre. Mon knowledge, genre, le peu de knowledge que j'ai sur la finance, tu vois un peu. Là. Mais ce que ça veut dire, c'est que, comment on appelle ça, les farmers, par exemple, ont l'opportunité, quand genre, il y a toutes ces rumeurs que les produits vont finir dans les stores et tout ça, là, ils ont l'opportunité de vendre leurs eggs directement aux clients en souscription pour les farmers qui sont internet savvy, at least. Il y a ceux qui ont genre les légumes. Déjà, le business model existait déjà, tu vois. Mais je crois que le business model là, va prendre du boom, en fait. Parce que dès que j'ai pensé à ça, parce que c'était une itération du Foufou Express, le subscription box. Mais j'ai continué à faire des recherches, à voir comment les subscription box étaient appliqués dans d'autres secteurs, tu vois. Et dans le farming, il y a déjà des compagnies qui... Il y a déjà des farms qui fonctionnent avec une communauté de clients. Tu vois, toutes les semaines, tu vois les crates qu'on délivre au boulot là. Voilà, les crates là, ils vont remplir ça de différents légumes, les œufs, la viande de leur farm, et ils vont envoyer ça directement aux clients. Si, je crois, l'un d'entre eux, je lui le nom, Blue Apron. Au début, quand Blue Apron faisait ça, c'était à $500 le mois. Tu vois. Bon, bien sûr, c'est pour les gens qui ont un certain income et comment on appelle ça, et qui sont busy aussi. Tu vois. Néanmoins, tu peux créer la. Parce qu'en ce moment, il y a toute cette atmosphère de peur, d'incertitude par rapport aux supply chains. Et de toute façon, même si ce n'est pas l'incertitude, les supply chains peuvent être bizarrement genre overwhelmed si la situation de quarantaine là continue. Donc, il y a l'opportunité pour quelqu'un qui veut délivrer ses produits à ses customers genre à distance. Par exemple, les stores là. Les stores là, normalement, devraient normalement avoir un moyen où les customers buy et puis là, on voit ça en box par la poste, same day delivery. Tu vois un peu. Genre. Les magasins qui sont dans le même zip code que nous là, same day delivery, that's nothing, tu vois. Quelqu'un, tu peux implémenter ça en ce moment par rapport au corona, mais tu vois, la même manière que tu fais Postmate. Seulement dans ce cas, si c'est que 100% of the revenue is yours,
but also 100% of the liability. Donc, ta connaissance déjà de comment tu dois maintenir genre les voitures, plus ta connaissance de comment on appelle ça, ta petite connaissance sur les deliveries, tu peux genre slowly but surely t'établir une niche genre pendant la période de crise là et juste take care de la niche là au fur et à mesure qu'on sort de ça, tu vois. I mean, that's the idea that genre sur laquelle je suis en train de ruminer. Mais c'est particulièrement inspiré par le modèle des farmers. Mais il y a plusieurs modèles genre dans différents secteurs par rapport à ça. Et les farmers normalement, et en ce moment on est aussi dans cette idée de manger plus healthy et tout ça. Donc les independent farmers normalement qui sont internet savvy doivent make a killing, an absolute killing. Mais bon. Bon, je ne sais pas comment ils sont en train de faire ça. Je ne suis pas en train de me renseigner particulièrement par rapport à ça. There's not much time to dedicate to it currently. However, d'ici quelques mois, au lieu de m'acheter une voiture normale, soit je vais acheter un truck, soit je vais acheter un minivan encore, même. Because I was talking shit about minivans, but Lord, are they an amazing creation? Il faut que je me rappelle, dans le cadre du podcast, c'est mon bad, il faut que je bouge. Tu te rappelles de quoi? Il faut que je me rappelle de là où. Comment on appelle ça? Je peux prendre une voiture en auction. Tu connais quelqu'un qui peut prendre ça? Non, la police auctions. Je sais que genre il y a soit les. Tu dois avoir une licence pour prendre ça. Je connais quelqu'un qui a la licence là et la personne est dans un autre state. Mais où genre? Je sais qu'il y a des personnes locales. Oui, yeah, il y a des gens qui vont écouter le podcast là. Trouver à Yannick, genre quelqu'un qui peut, genre, lui, qui a déjà la licence pour les police auctions. In the Houston area, please, por favor. J'étais aussi en train de penser au truc du healthcare là. Healthcare and exercise. En ce moment, genre, j'ai remarqué que j'aime parler en disant genre énormément. Et ça commence à me taper sur les nerfs. Ça commence à me taper sur les nerfs. C'est comme les gens qui en anglais disent toujours like, quand ils parlent là. Yeah, c'est la même chose. Stuff needs to get out of my vocabulary, at least reduce significantly. mais je pensais au fait que, tu vois, par exemple, les gens qui veulent toujours s'apprêter pour leur summer body là. Cette année, bon, aller au gym, genre, c'est un autre film. Comment ça, c'est un autre film? À cause du coronavirus, man, tout le monde est maintenant en train de faire le sport. En case. And c'est beautiful parce que je vois, genre, quand je faisais au beurre, je vois les gens pédaler. It's a beautiful thing. Wasn't this possible before? Tu sais que si l'habitude la reste longtemps, tu vois un peu, non? Et que les gens commencent à s'organiser autour des habitudes là. Les gyms, genre, l'année prochaine peuvent avoir de vrais problèmes. Oh, de vrais problèmes. Et d'abord, en ce moment, ils ont déjà de vrais problèmes. Parce que les gens vont pas payer le membership, genre, dans ces situations là. Oh, j'ai carrément complètement oublié les gars là, quoi. L'industrie des gyms. Les gars voulaient se cacher. Hey, sorry guys. Sorry for the pain. Non, le coronavirus. Ça va. Non, c'est quand même un flamboyant sur moi.
Ça brûle. Ça brûle, c'est vrai. Ça, c'est la coiffure. La coiffure. Yeah. Oh, yeah. Ouf. Ouf. Et en plus, les femmes, genre... Bon, c'est pas que je veux dire que vous êtes des peureuses en général. Mais il y a plus de peureuses parmi vous. Bon, pas sur tous les domaines, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Yeah, les salons, ça va pas en ce moment non plus. Ça va pas. Ça va pas. Normalement, l'industrie des transports aussi, les transports en commun aussi, ça ne devrait pas aller. Yeah, ça ne va pas aller. Lyft va et Uber vont enregistrer. En fait, si en ce moment, tu es une compagnie d'une très grande taille qui était en train de run un scam on the low, tu vois un peu, non? Tu es sur le point de te faire exposer à un niveau que tu n'as pas idée. Et là, les gens te parlaient que les grandes compagnies là, sont en train de chercher les loans, les propres loans avec la torche à minime. Yeah. It's not going to be sweet this time around. Mais bon, on va voir. Il y a un gars qui avait publié un papier sur G en disant que G était en train de commettre la fraude là. On va voir si ça se justifie en ce moment. Tu as entendu le truc des ventilateurs. Yeah, c'est G qui est avec la compagnie. Ah bon, G. Non, c'est pas G. Il s'appelle GS quelque chose. Mm. C'est GM ou c'est GE qui fait. Je sais que GM. C'est GM. Je sais que GM est dans un web parce que je sais que Trump les a. À demain, non, je sais pas si c'est. Et à Ford, c'est GM. Et à GM de construire genre des ventes. Et c'est que Elon Musk aussi, avec Tesla, ils ont aussi fait des donations à un hôpital à Brooklyn là-bas. Ah, ils ont finalement fait leur ventilateur. Ils ont fait des donations de ventilateurs à un hôpital à Brooklyn là-bas. Maintenant, les gars veulent exporter ça, genre, parce qu'il y a des pays qui ont besoin de ça. Jack Ma a gagné en temps sur ça depuis, non? Ah bon? Tu les équipements qu'il envoie, là, tu crois que c'est quoi? Il fabrique ça, où? En Chine, là-bas. Mani, il y a, comment on appelle, l'homme industriel, genre, complexe. L'homme medical industrial complexe, avec les gens, fonctionne bien, hein. Tu n'as pas vu les hôpitaux qu'ils ont construits à la vitesse à la lumière, et équipés, tout ça. Les grandes factories, là, genre... Ouais, parce que si tu es un financier chinois qui réfléchit de manière amorale, tu vois un peu, non, tu es en train de penser au fait que, ok, nous on est en train de tacler le problème là, mais ils auront le problème là bientôt. Non, moi, ils vont devoir confronter ça. Peace out. Oh non. Les Airbnb, ça dit quoi?